Donc voilà, bonjour, c'est Sriden, donc qui va vous faire une revue d'un jeu qui s'appelle Où suis? Alors, où suis ton assiette? Je sais pas, je pense donc je suis, je sais pas. C'est un jeu fait par Joey Star, donc. Alors, je sais pas si c'est un mec ou une fille, vu l'écran titre, on peut se poser la question, j'en sais rien, en tout cas, ça va peut-être plaire à l'honneur, j'en sais rien. Ah non, on voit en bas là, c'est marqué pseudo Johan. Ah bon déjà, on a déjà une partie, donc comme ça c'est bien, on va pouvoir commencer au milieu du jeu, ça nous économisera la torture. Quel beau mapping! Et un menu. Bon, menu classique, hein. Il y aurait eu un menu custom, genre un peu sauté au plafond, quoi, mais. Mais quelle porte choisir? Ah, ça marche pas quand on va dessus. Peut-être appuyer sur le bouton, remarque. Ah, ça y est. Oh non, par pitié. Ouais, c'est fini. Voilà, au revoir. Bon, bah tant pis, on pourra pas utiliser une sauvegarde de. En milieu de jeu, quoi. Bon, nouvelle partie. Bonjour, héros. Vous incarnerez mieux. C'est le prénom de Mew, c'est ça? Une magicienne et où suit un guerrier de la lumière. J'ai bien dormi, moi. Il y a une fille à droite, là. Ah, sa mère. Maman! Ouais, elle sous-craque sa maman. Putain, c'est une maman de 13 ans en plus, là. C'est pas vrai. Je vais être en retard pour... Ah, pour l'école, bien sûr. Oh, c'est une salle de classe. Alors attention, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de bureau. Alors je sais pas ce que le prof y fait. Des claquettes, peut-être, je sais pas. Alors remarquera qu'il manque au moins un élève sur deux, là. Donc, ah, c'est triste l'absentéisme quand même. Ouais, il se passe à rien. C'est énervant de travailler. Bon, je peux construire quelque chose là ou pas un jour? Déjà, ouais, bah, enfin plutôt. La récré. Voilà comment vous vous retrouvèrent dans cette merveilleuse aventure. Merveilleuse, merdeleuse plutôt, oui. Bon, Miu Miu, toujours pas équipement. Dis-moi qui tu es, East. Je m'appelle Où suis-je, j'ai 16 ans, mais c'est un vieux! Suis-moi, ouais, où suis-moi? Oh, mon oser. Oula! Impressionnante la map là. Je dirais même impressionniste. Que se passe-t-il? C'est une grève de DF? Ah, ça c'est la map qu'on était au début là. Ah non, pas ça! Oh là, il est intelligent le personnage de la fille, dis donc là. Il y a beaucoup de facettes qui se répètent sans qu'il y ait de dialogue, c'est bien. C'est animé au moins. C'est une magicienne, donc assez où est le passage? Oula, ah, c'est pour ça que j'ai eu un game over tout à l'heure. Ah d'accord. Ne vous trompez pas, sinon game over sauvegardé. Donc deuxième en partant de la droite, c'est ça. Je me gourre, putain. Je peux encore sauvegarder, je crois. J'ai oublié de me présenter. À chaque fois que vous verrez ma tête, c'est pour un indice ou autre, je représente la scénariste. Oh. Attention, il y a de l'humour. Moi, il répète son sur un bateau. Moi, tombe à l'eau. Qui reste-t-il? Oh, mais il y a une solution cachée. Ah, répète, ouais, c'est comme Rotopeu, mais c'est répète quoi. Chaos.
comme Chaos 64. Ça expliquerait tout. Bon alors, est-ce qu'il y a un raccourci à droite, on peut pas passer, non? Bon, attendez. Ah ça y est, un combat. Un tableau. C'est quoi un tableau? C'est un gros qui est bourré. L'histoire d'un tableau qui tombe. Ça fait un bleu. Donc soit comme une table, je sais pas. Enfin, pour les Marseillais, quoi. Une table. Mange ça! Ah, c'est une réplique à Chuck Norris, là. Ouh là là, attention. Je mets les pieds où je veux. Ce que j'adore, c'est le décor de combat, là. Le fond de combat, je crois que c'est dans RTP, là, c'est ça? C'est un peu potage de ma grand-mère, tu sais, filmé en gros plan. C'est vrai, franchement. Ah, potage. Bon, c'est bon ou quoi? Bon, là, j'enregistre avec live stream, là, parce que j'ai essayé avec Fraps, ça veut pas marcher, je vois. Donc, bon, là, voilà, je rectifierai plus tard pour le problème de son décalé, hein. Voilà, on a gagné des euros. Oula, c'est moderne. Bon. Est-ce qu'il y a besoin de soigner Non, ça ira. Oula, un gros bouton. Grosse bombe atomique. Game over. Le pont s'est cassé. Les tiles là, ça forme peut-être des lettres, hein. Peut-être qu'il y a un code caché. Je sais pas, ça veut peut-être dire quelque chose. O, C, S, non? Ah, c'est ça qui est la con. On doutait un peu. Bon, vite, ça me file la gerbe là, le potage qui tangue là. Oh, la lumière du jour, l'espoir! Un beau screen pour le concours de Kaiser, ça. Qui ose me déranger pendant le repas? Pendant que je mange mon potage. Je ne dois pas reculer avec deux ailes. Hein. Je sais pas si on voit bien avec la résolution. Mais... Ce qui va durer 600 km, ça, tu peux être sûr. Maman, tu es un monstre! Ah, c'est comme dans le jeu de Toi Twin, tiens. Encore un jeu où l'auteur a fait un complexe sur sa mère. Oula, là, c'est vrai que sa mère. À en juger par la flaque rouge là en bas. Mange ça, bon potage. Non, c'est maman avec un point d'exclamation à chaque fois. Hein. Ah non, Fraps, je sais pas pourquoi il enregistre plus rien du tout là. J'ai même pas le compteur de frame dans le coin de l'écran, je sais pas. Ouais, j'ai essayé deux secondes seulement. Hein. J'ai vite laissé tomber et puis je suis passé à live stream, tant pis. Voilà. Une épée large. Oula. Elle glisse la maman là. Elle a dû glisser sur sa flaque de ragnagna. Allez viens, je l'emmène. Encore, mange ça.
Ouah! Excité, hein? La Sernia aussi, celle-là, quoi. Ça va mieux? Ouais, pas l'orthographe, hein. Ah, je crois que c'est la première fois que je sauvegarde, non? Ah non, j'ai sauvegardé tout à l'heure déjà. J'adore le mur vertical là qui sépare les deux pièces. Y a pas de hauteur. Peut-être en pente, hein, je sais pas. C'est peut-être un toboggan. Tu commences au deuxième niveau et puis tu glisses sur le toboggan là, pour arriver en bas. Il y a aussi les sacs de patates là accrochés au mur, j'aime bien dans la pièce cachée. Là. Bon. Super ville. Salut. Ça, on va à 2 à l'heure, c'est bizarre la vitesse. Il a dû foutre un événement qui ralentit la vitesse, puis ça n'a pas été rectifié, je sais pas, mais. Tout le monde dit salut, c'est bien, voyons, on se casse. Peut-être lui, il dit quelque chose de différent. Révise bien. Ouais. C'est autant qu'il faut dire ça, révise bien ton mapping là, parce qu'il y a des problèmes. Ah, je contrôle plus le personnage là. Chef, les démons se sont échappés du puits sacré. Ouais, il y a Sadako dedans. Avez-vous des preuves? C'est une vidéo, je sais pas. Vous montrer l'écaille. Très bien, qui se propose de les renvoyer chez eux? Les démons. Heureusement qu'ils précisent parce que je crois que c'était les Arabes. Je suis concentré, là. Les murs en métal, là, attention. Oh, une massue. Un peu bourrin pour une magicienne, non? Une magicienne de Cro-Magnon. Prenons mon bateau. Oui, tout à l'heure, il y avait une sorcière, là. J'ai pas pu lui parler parce que j'ai déclenché la cutscene. Et du coup, elle a disparu, c'est pas où. Parti se balader. Putain, on est parti se balader là-dedans. Bon, en même temps, vu les maisons pourries qu'il leur a fait. Il y a bien une maison qui va s'ouvrir, non? Oh putain. Ah, ça y est. Encore une maison avec des toboggans partout. On va s'éclater, hein. On rentre dans la cuisine, ah bah non, il y a les femmes qui font la cuisine, attention. Non, il y a les ombres là qui montrent que c'est pas en pente, c'est bien où. Ah, on est bloqué. Alors les gens, je crois qu'ils veulent sortir du village, et bah ils doivent pousser les cailloux, ils doivent pousser les pierres de 3 tonnes là. C'est logique, non? Putain, ça avance vraiment lentement là, hein, je sais pas ce qui se passe. Il y a la sorcière, la vieille grand-mère là, qui est revenue. L'accès au pont est interdit. Bon, je crois qu'il y a un problème avec les événements là. La preuve c'est que là je ne contrôle plus et ça redéclenche la cutscene de tout à l'heure. Ah ouais, d'accord, quand je suis rentré à la maison tout à l'heure avec les toboggans là, c'est pour ça. Bon, normalement la sorcière devrait avoir disparu, voilà. Prenons mon bateau. Oula, un bateau invisible. Oh putain. Alors là on a un monde découpé à la hache par un dieu méchant, j'imagine. C'est le dieu de la géométrie là. Il passait par là avec ses ciseaux, le dieu des carrés là, je sais pas. Par qui qu'il a pris la peine de faire une double barrière au cas où on essaierait de passer. Ah, le perso est à l'envers. On voit qu'il a envie de se barrer aussi. Bon, on peut pas aller là non plus, donc on va aller là.
Salut, pour accéder, il faut avoir le badge du temple de Monterrier qui vient de se débloquer sur votre map. Bonne chance. Si vous pouvez aussi débloquer l'event buggé qu'on avait tout à l'heure. C'est bien, les explications sont claires et pragmatiques. Le temple des morts vivants. Raciste. Nouvel équipement. Ah, un peu pas équipé à elle. Ah, la massue, ça fait un peu cuisse de poulet là, non? Bon. Ah bon, bah on va équiper l'arc pour la fille. Il peut porter les épées quand même. Les épées, c'est pour les molles. Quand même, une épée large en plus. Et pour équilibrer, on va mettre le bouclier moins bon au mec et puis le meilleur bouclier à Miu Miu. Non, c'est important la stratégie là. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là. Un cul-de-sac avec une chest, avec une potion. Ah, les ennemis. Ouais, un potage gris cette fois. Un potage au béton là. Avec des dinosaures au LSD là. Peut-être qu'on voit les dinosaures comme ça. Si jamais on mange un potage au béton, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'ils valent ces. C'est ta merde là. C'est pas l'état bleu là. C'est ta multicolore. Soin. Pourquoi j'ai un carré là? Attends. Il a essayé de mettre un caractère japonais ou quoi? Kanji. Non, pas trop. Putain, ils sont toujours pas morts, c'est pas vrai, ils ont combien de HP là? Ksamara. Je vais essayer la magie de Ryuko. Vent. Allez, vas-y, fais péter le vent. Hein. Ouais, c'est bon là-haut. Ah, ça y est, j'en ai eu un. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça dès le départ. Bon, continuons. On s'en prend un peu plein la gueule là. Oula, 666 HP. C'est un jeu possédé par le démon. Vous obtenez un ou une bouclier de je sais pas quoi. On sait jamais, hein. Peut-être que bon. Dans un futur plus ou moins proche, peut-être que le français va évoluer et que le bouclier sera féminin. Donc le mec, par prévision, il a mis les deux, j'en sais rien. Ou alors il doit y avoir un espèce de. Je crois que oui, il y a des events automatiques dans VX, non, pour mettre des coffres, et puis il met un ou une par défaut, non, ça doit être ça. Oui, j'avais oublié apparemment de. En équipant le bouclier tout à l'heure à Miu Miu, apparemment, ça avait déséquipé l'arme, j'avais pas fait gaffe. Quoi. Prends la poudre d'escampette. Ouais, bon, ça doit pas être d'escampette la poudre qui prend là, Joestar. Le badge, un badge en collier, bon tant pis. Ah oui d'accord. Il n'y avait qu'un collier dans les RTP donc tant pis. Le temple a disparu. Téléportation plus que douteuse. Peut-être se reposer dans les lits, non? Non, même pas. Bon. On va voir le chapeau en rouge là. Ah bon, ok. Vous pouvez repasser. Voilà le boss de fin, attention, une sorcière bleue là. Merci de m'avoir sauvé, je m'appelle. Vous choisirez le nom plus tard. Bon, ok, on attendra plus tard. De rien, désolé de te le dire comme ça, mais il faut, je sais plus quoi, éradiquer le mal de la terre, je crois. Bon, on est directement téléporté ici.
Oula, c'est dark. Et que s'est-il passé ? Non. Si vous n'avez pas compris, les démons ont détruit la ville. Ah, bah merci de m'éclairer. Ah là, on peut la nommer. Alors, je sais pas, on va l'appeler... J'ai pas de nom. Ah, qu'est-ce que je voulais que je mette ? Bon, allez, on va mettre... fuck, voilà, c'est très bien. Ton nom est Fuck et vous avez... Ping ! 650 euros. On peut pas mettre un code variable dans les messages sur X. Genre V slash je sais pas quoi. On va les sauvegarder avant. Je crois que c'était l'armoire là pour sauvegarder. Oh. Oh. Je crois qu'il y a un bug. Oh. Il n'y a plus rien. Bon. Oh non, même la ville. Oh non, on peut même plus sortir. C'est pas vrai. Bon, peut-être vers le nord. C'est problème d'event là, c'est pas grave. Ah, il y a la sorcière. Il faut redéclencher l'event avec celle-là là, je sais pas quoi. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Normalement, il ne va plus y avoir la sorcière pour ressortir et on va essayer de rentrer dans la ville pour voir si ça redéclenche l'apocalypse. Hein. Ah, c'est vrai. On rentre. Ah, le bateau il est là-bas, alors on est pas dans la merde. Eh bien, bateau! Viens ici! Bon, bah, ça change rien. C'est plus. On a plus l'apocalypse de tout à l'heure. Y a pas la sorcière cette fois-ci. Pas besoin de reparler à la salle du trône, là. Moi, c'est bien, c'est la foire aux events, là. La foire aux events de l'espace. Ça foire un peu, donc. Viens ici! Non, le bateau il vient pas. Donc, voilà, je suis coincé. On va quitter le jeu, voilà, donc je crois qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une conclusion, on a tous compris. Hein. Voilà, donc c'était Sriden pour une revue de Où suis par Joey, salut !